Vous en avez peut-être déjà aperçu si vous habitez à Limoges. Les vélos cargo sont de plus en plus nombreux dans nos rues. Ils permettent de se déplacer avec ses enfants ou de transporter ses courses. Jérôme Pipereau et Samuel Chassaigne s'y sont essayés. Chaque matin, c'est le même rituel pour la famille Trancard. Les quatre enfants partent à l'école ou à la crèche à bord de ce vélo cargo. Ceinture, casque, un espace suffisamment large pour tout ce petit monde et c'est parti pour 2 km de balade matinale. Depuis 2 ans, pour ses parents, c'est le moyen idéal pour se déplacer. C'est pratique, bah déjà on n'a pas de problème pour se garer. Ça va quand même plus vite le matin pour ces raisons-là. Après, on a choisi les vélos principalement pour un motif écologique à la base. Et puis on trouve notre compte en termes d'aération, de praticité, de rapidité. En moins de 15 minutes, le trajet est accompli, sans les bouchons, même s'il faut être prudent, car les automobilistes limougeaux ne sont pas encore habitués à croiser ce type d'engin dont les adeptes sont de plus en plus nombreux. Ça fait maintenant, oui, 1 an que je le pratique. C'est formidable hein, pour stationner, pour circuler. Même si Limoges est un peu vallonné, aujourd'hui avec les assistances électriques, on se débrouille très bien. Tous ces convertis au vélo cargo, surtout des urbains, ont leur magasin de référence. Ici, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Comptez tout de même 5000 euros en moyenne. Malgré ce tarif, la demande explose. En France, la vente de ces vélos à assistance électrique a augmenté de 354% en 2020. Quand on a un client qui achète ça à l'école, à la même école, en général, on en vend 2 ou 3 dans les mois qui suivent. C'est assez rigolo de voir ça. En fait, dès qu'on en voit un, on peut questionner les gens. On s'interroge, les gamins sont intéressés, ils trouvent ça rigolo, hein, une petite cabane sur roulette comme ça, c'est toujours sympa. Et puis on voit que les gens après, ils sont convaincus, ils y vont. Quoi. Malgré un poids de 40 kg, ils sont très maniables. Principale difficulté pour les usagers, les villes ne sont pas encore adaptées et bien aménagées pour ces nouvelles formes de mobilité. Là où ça pêche un petit peu, vous voyez là on est sur un bout de trottoir. C'est censé avoir une place vélo là-bas, mais qui est souvent occupée par les voitures. Et maintenant on commence à être trop nombreux ici pour se garer. Et voilà, globalement, dans Limoges, c'est pas super, super équipé. Les municipalités vont donc devoir prendre en compte ces 2 roues car leur trafic est passé à la vitesse supérieure.